26 candidatures, 25 équipes retenues pour cette semaine de compétition internationale. Vous avez une passée à la suite. Les cycles 14, les cycles 14 où vous allez chercher, bien entendu, tout ce qui est nécessaire. Alors, avoir droit aux dégustations. On pourra vous envoyer les enfants. Nous allons faire le premier podium. Premier podium. S'il y a quelques adultes qui veulent faire un peu d'entraîneur, Jean-Paul, du public, eh bien, nous avons relevé le temps. Le prologue en 4 minutes, 30 secondes. Avant les coureurs professionnels, eh bien, c'est notre ami Daniel Jeanne. Ce garçon, eh bien, a été plusieurs fois champion de France. Un gros force, parce que pour une fin de carrière, c'est pas mal que le Tour de Normandie. Dimanche prochain à Caen, en partant de Torigny-sur-Vire. Aiden McCormick dans l'équipe Frédéric Frison. Nicolas Garbet qui s'était distingué à Rotignan, retrouve également José Barren, ça se monte pas quand même, un Irlandais qui s'appelle Eddie. J'ai envie de se faire un prénom, Paulius Siskevicius. Voilà, demande avec le leader unique, on va t'aider. Hein. Jean-Paul Camembert avait gagné le Bellerbeck classique. Ils sont pas chauvins. Non, du tout. Voilà, donc... What? Wow. Yeah.
Tour 2010. Toi, tu es parti, qu'on va vous dire. Allez, go. Target, push. Go, police. It's good time. Attention. Turn right. Die, police. Die. Again. 1 kilometer, last kilometer. You pass. Left. Push. Go, police, go. C'est là en contre la montre, chrono des Herbiers. De Kirch, le fort luxembourgeois. Tielmans, du dessert Roissons. Monsieur François Ligard, donc monsieur maire, adressera tout à l'heure. Donc, tout près d'un podium au championnat du monde, Mathieu Boulot qui en termine. Le quart américain de l'équipe MC, qui va être le dernier quart. Les spectateurs sont nombreux et le spectacle est à la hauteur. J'espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir. C'est ton anniversaire. Alors on va le fêter avec un petit peu d'avance. N'oublie pas de payer un coup de main quand même. Donc, on aime les mains plus fort encore. Bravo. Voilà. Merci. Bon anniversaire, Richard. Vainqueur de l'épreuve, on rappelle vice-champion du monde. Nous aimerions qu'ils se souviennent de l'accueil de la Normandie. On l'applaudit plus fort encore. François Lounesky, donc représentant la caisse locale, Groupama Saint-Lô. Et c'est dit, tiens, Russe qu'embrasse comme un Normand. Voilà, donc plus vous l'applaudirez, plus il va sourire. Mais je le connais bien. Voilà. Une grosse pensée pour lui. Le maillot Skoda de meilleur jeune, pour celui que l'on peut applaudir encore plus fort, Stéphane Kung. Le maillot vert de la carrosserie, donc frigorifique le capitaine. Stéphane, t'as vu, ah ben il est long, hein. Voilà, Stéphane Kung qui rejoint le podium. Un tonnerre d'applaudissements pour Stéphane Kung, le leader donc de ce Tour de Normandie 2014. Voilà, Stéphane Kung, jeune athlète de 20 ans, donc vice-champion du monde de course. Il est un peu plus vieux, mais à mon âge, c'est... C'est encore très jeune, oui, mais c'est pas à peine de me regarder en disant ça. Donc, Stéphane Kung, Sergueï Nikolaïev, Tom Poli et Cyril Patou, bravo nos champions, vive le Tour de Normandie, merci Saint-Lô, et bravo à tous.